Alors, le nom officiel de T. Robert qu'on voit au premier plan, c'est maintenant Jolie. Je prends la vidéo pour vous montrer comment, même si elle est handicapée du derrière, puis qu'elle court croche, elle ne court pas en ligne droite, Jolie. Ben, elle réussit à être aussi vivante, puis à être... aussi en jouer que sa sœur, Bastille. Et là, les deux font des pirouettes, puis ils s'amusent, puis... Et leur jeu, leur passe-temps favori, c'est ce qu'on vient de voir. C'est un pantalon qui pend au-dessus de la porte, puis ils s'amusent à se coucher. En dessous, puis à jouer, puis... Ah, la pastille est ici. Alors, on la voit pas bien. Ah, les deux sont là. Attendez, je vais me déplacer. Ah, vous avez compris, je suis sur mon lit. Et puis, c'est pas toujours joli qui est en dessous. Pastille, souvent aussi, elle se ramasse en dessous. Oups, on les a perdus. Jolie, Pastille. Là, on fait juste entendre le bruit. Attendez, je vais me déplacer. Ça, c'est minima. Oups. Minima est vraiment un jouet préféré des minots. Sa queue en particulier. Bonjour, Pastille. Elle vient grimper sur mon lit. Oups, elle est. En tout cas, c'est vivant, ces petites choses-là. Jolie, avec Bastille. Moi, Minima les appelle. Là, pour le moment, j'ai pas trop de problème de litière. Là. Minima passe encore derrière faire le ménage. Les deux chatons mangent, mais elle les nourrit encore. Jolie fait de l'exercice. Elle est vraiment très mignonne, cette chatte. Franchement, là. Elle est plus douce que Pastille. Pastille, c'est une rebelle, c'est une petite démone. Elle se laisse pas prendre, elle aime pas ça. Par contre, Jolie, elle se laisse plus faire. Mais c'est un chaton, hein?
Je l'ai encore perdu. Bon, ben voilà. Bye.